tous, une vidéo sur un sujet qu'on rencontre assez fréquemment dans l'activité, la garantie 100% satisfaite ou remboursée. Donc en fait, vous avez sûrement dû en entendre parler dès le début de votre activité, on vous en a certainement parlé lors de votre inscription, et ça vous est peut-être déjà arrivé qu'une cliente hésitait sur un produit ou n'était pas satisfaite de ce qu'elle avait commandé. Alors, le principe de la garantie 100% satisfaite ou remboursée, c'est que la cliente, dans un délai de 2 campagnes, donc 2 fois 3 semaines, donc 6 semaines en gros, la cliente elle a un délai de 1 mois et demi pour soit être contente de son produit, et en général c'est quand même ce qui arrive, soit elle n'est pas contente et elle peut être remboursée. Alors, on dit que c'est la garantie 100% satisfaite ou remboursée, mais il y a une troisième option, c'est l'échange en fait. Voilà, donc, alors comment ça se passe? Admettons, alors je vais vous prendre 2 produits pour vous montrer en réel en fait comment ça peut arriver et surtout où la cliente elle peut retrouver la mention 100% satisfaite ou remboursée. Alors de toute façon il faut savoir que vos clientes peuvent voir la mention dans chaque campagne, c'est toujours mis quelque part. Alors en campagne 10, donc celle-là qui est terminée là depuis quelques temps, normalement vous l'avez à l'arrière là. Vous l'avez au dos, tout en bas. Maintenant, ça peut dépendre des brochures. Dans la 10, vous l'avez... Donc, alors la dernière page, elle est comme ça. Vous avez un petit complément. Et c'est là sur le complément, en fait. Voilà. Où c'est indiqué, donc, ici, la garantie 100%. 100% pardon, satisfait ou remboursé. Et c'est bien indiqué, votre satisfaction est la nôtre, avant échange ou rembourse, dans un délai de 2 campagnes, tout produit qui ne vous satisfait pas. Voilà, donc ça c'est en campagne 10, mais vous pouvez aussi le trouver en milieu de campagne, donc c'est peut-être moins facile pour la cliente d'y faire attention. En campagne 12, donc qui est terminée là depuis quelques heures, on le retrouve à la page 183. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais on le retrouve au milieu du catalogue, quasiment au milieu. Alors à l'arrière, bon voilà, je peux comprendre qu'avant on n'allait pas le mettre puisque ça prépare Noël. Enfin, c'est bien déjà entamé en campagne 12, mais ça indique voilà qu'on rentre dans la période de Noël. Voilà, c'est quelque chose de très important de le dire à la cliente. D'après moi, dès le début, dès la première commande ou à la première livraison ou lorsqu'elle hésite, vous pouvez lui dire qu'il y a la garantie 100% satisfaite ou remboursée. Alors, de façon pratique, comment ça se passe? Soit elle est satisfaite et là, il se passe rien en fait, puisqu'elle garde ses produits, elle les utilise et elle vous repasse commande par après. Ça, c'est ce qui se passe la plupart du temps, ou elle n'est pas satisfaite. Et là, il y a 2 possibilités. Soit elle veut être carrément remboursée de son produit, donc admettons, elle a pris un rouge à lèvres, le rouge à lèvres est à 7 euros, allez, et elle veut avoir du nouveau ces 7 euros. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle vous rend le produit et vous lui rendez tout simplement 7 euros. Ou elle veut être échangée parce que la couleur ne convient pas. Ça se peut aussi. Qu'en catalogue, elle avait vu un produit, elle avait choisi pour le rouge à lèvres par exemple une couleur et au final, elle voit que ça ne lui convient pas. Donc, alors, là j'en ai 2 sous la main pour vous montrer. On part du principe que la cliente avait commandé celui-là. Voilà, donc c'est le Berry Glitz, voilà, donc qui est quand même assez rose. Et elle s'aperçoit quand elle le reçoit que non, c'est trop rose, elle voulait quelque chose de plus cuivré. Et elle veut celui-là, qui est le Abricot de Glamour. Donc c'est vrai que quand on regarde les deux, il y a effectivement une différence, hein.
Alors, soit c'est elle qui s'est trompée quand elle a passé sa commande, elle vous a donné une mauvaise référence, soit dans le catalogue, ben, ça a été mal illustré, ça se peut très bien aussi qu'on ne voit pas bien la couleur, ce qui peut aussi arriver. Voilà, donc là, à ce moment-là, vous récupérez donc le rose et vous lui commandez, donc au même prix, le cuivré. Alors, au même prix. Comment vous pouvez l'avoir au même prix? Bah, je vous rappelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que la garantie, elle est seulement valable pour une durée de 2 campagnes, c'est-à-dire l'actuelle ou la précédente. Donc, on part du principe que elle vous a commandé celui-là en campagne 10. La campagne 10 est terminée, vous la livrez et elle vous dit, ah ben non, ben celui-là, il ne me convient pas. Donc, ce que vous faites, c'est que quand vous envoyez votre commande de campagne 11, vous renverrez celui-là et vous lui commandez celui-là. Puisque je vous rappelle, vous pouvez toujours commander également dans la campagne précédente. Voilà. Donc, ça c'est pour vous expliquer un petit peu les différentes possibilités qu'elles ont. Alors, au niveau de comment ça marche, comment je fais, qu'est-ce que je dois faire? Alors, si elle veut être remboursée, vous lui rendez les sous et vous avez deux possibilités. Soit vous renvoyez donc par la poste le produit et à ce moment-là, avant, vous fait un avoir. Soit vous souhaitez garder le produit pour vous ou pour une autre cliente, mais comme elle l'a déjà utilisé, ça va être un peu délicat. Donc, si vous voulez le garder pour vous personnellement ou en produit démo, voilà, vous lui rendez les 7 euros, mais en même temps, dans l'échange, vous avez eu un produit de démonstration ou un produit personnel si vous souhaitez le garder pour vous personnellement. Voilà, pour l'échange, ben, c'est pareil, il faut qu'elle vous rende donc le produit qu'elle ne souhaite pas et vous le renvoyez et donc vous serez livré du second produit, donc celui-là qu'elle voulait en fait finalement. Dans votre livraison de façon tout à fait normale. Voilà. Alors, je ne vous explique pas dans cette vidéo comment faire les retours, tout simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur la façon de faire un retour par rapport à la fiche de retour, comment l'envoyer, etc., vous allez avoir, donc là en bas, le lien vers la vidéo donc sur le sujet des retours. Alors cette vidéo sur la garantie, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors petite indication aussi avant que j'oublie, c'est assez sympa cette garantie puisque vous pouvez on va dire proposer à la cliente de commander un produit sans risque, puisque si c'est la première fois qu'elle découvre avant, qu'elle voit un catalogue avant, ou si elle connaît déjà, mais il y a un produit qui l'intéresse qu'elle n'a pas encore testé. On va prendre l'exemple en campagne 12. Voilà, donc c'est une cliente qui vous a déjà pris pas mal de produits, du maquillage, et elle est intéressée par le nouveau produit qui est sorti, qui est donc le soin anti-âge AF33. Et elle vous dit, ben oui, ben moi le maquillage, ça me plaît beaucoup, je suis satisfaite, tout ce qui est parfum aussi, mais les soins anti-âge, je ne sais pas sur ma peau si ça va être efficace, s'il n'y aura pas d'allergie, etc. Et puis, elle peut aussi vous dire, vous savez, oui, c'est en promotion, mais j'aimerais quand même l'essayer avant. Alors là, pareil, vous avez deux possibilités, ou vous lui donnez un échantillon. Donc là, toujours, je vous renvoie vers une autre vidéo qui traite le sujet. Ou alors, et c'est encore mieux, vous lui dites, écoutez, madame, il n'y a aucun souci. Je peux comprendre que vous voulez tester. Chez Avon, on a la garantie 100% satisfaite ou remboursée. Moi, ce que je fais, c'est que je peux vous le commander. Je vous le livre. Donc d'ici une semaine ou ça dépend quand est-ce que vous livrerez votre cliente. Et une fois que je vous aurai livré, je vous recontacterai 2 jours après pour savoir si ça convient. Si ça vous convient, très bien. Au moins, ça vous aura permis de bénéficier donc de l'offre en brochure, l'offre de lancement. Si ça ne vous convient pas, il n'y a aucun souci. On peut très bien l'échanger ou vous pouvez être remboursé. Et en général, la cliente, elle va vous commander le produit puisque, elle, je rappelle, il n'y a pas d'avance d'argent. Donc, c'est sans risque. Et en général, elles sont quand même satisfaites.
Donc, il y a vraiment très très peu de retours au final. Voilà, donc ça a vraiment beaucoup d'avantages, cette garantie-là. Alors, attention quand même, là on arrive à la période de Noël, pour tout ce qui est les coffrets de Noël. En général, les gens, ils vont vous les commander. Et si ça convient pas ou s'il y a un souci, ils vont vous le dire, voire quasiment 2 mois après, puisque s'ils vous le commandent la fin novembre, ils vont pas, si c'est pour offrir, la personne va l'ouvrir. Et normalement, donc à Noël, si eux ils n'ont pas eu le réflexe, si c'est encore emballé sous blister, de l'ouvrir pour tout vérifier, ben c'est trop tard. Donc là, il peut avoir un petit souci. Donc dites bien aux personnes, si c'est pour offrir, qu'elles vérifient qu'il n'y ait pas de souci, etc., que ce ne soit pas cassé. Là, je parle essentiellement de tout ce qui est petite animation de Noël, les peluches, etc. Voilà, donc après au niveau détail, bon ça c'est dans les retours, vous avez de toute façon la vidéo sur ce sujet-là. Voilà, donc bah ça va, j'ai fait une vidéo de 10 minutes, c'était pas trop long j'espère. J'attends vos commentaires si jamais il y a encore des questions, des choses qui ne sont pas comprises ou qui ne sont pas très claires, ça se peut aussi. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, un produit qui est essayé, c'est un produit qui est adopté. À bientôt.